Voilà, je vais vous montrer comment faire des locks avec le crochet parce que c'est plus facile à faire. Donc voilà, j'ai un crochet, le voilà, je le montre. Le voilà mon crochet. Il fait 4,00 mm. Voilà. Et j'ai aussi un petit hein, pour arranger les bouts. Il est là, il est tout petit. Voilà. Et aussi, il faut une crème. Vous en doutez bien, une crème pour. Voilà, elle est là. Voilà. Donc, pour ceux qui ont de longs cheveux, je vais commencer ceux qui ont de longs cheveux. Je vais essayer avec mon balai. Je vous montre, c'est un balai. Voilà, on suppose que ça c'est la tête, ça c'est la racine du cheveu. Voilà. Et là, c'est long comme ça. Voilà. Vous prenez bien votre cheveu hein, tout seul. Voilà, vous le tournez comme ça. Tournez. Prenez une mèche. Voilà. Une mèche. Je la bloque comme ça. Ça se voit. Je la tourne autour. Je la tourne autour. Voilà. Et je mets le crochet au milieu. Et là, je la fais passer. Vous voyez? Voilà, je l'ai là. Je recommence. Je la tourne. C'est pas facile. Enfin, c'est compliqué surtout pour moi qui le fais avec un balai. Voilà. J'ai tourné bien autour. Et là, je mets le crochet toujours au milieu et hop, c'est raté. Là. Je recommence. Je la mets au milieu. Hop. Voilà. Je tourne. Toujours autour du cheveu. Toujours autour du cheveu. Et je rentre dedans. Et je prends. Et hop, c'est raté encore. Et là j'ai pris, voilà, c'est bon. Vous voyez ces attaches petit à petit, je vous montre là. Voilà. Je tourne autour et je mets. Et hop. Voilà, ça s'attache petit à petit. Vous voyez, c'est pas parfait parce que voilà. Donc voilà. Vous tournez. Vous tournez bien. Vous prenez un cheveu. Enfin, voilà, comme ça, une poignée, comme ça. Vous le tournez autour. Je mets au milieu. Voilà, comme ça. Et là, je le sors de l'autre côté. C'est facile, en fait. Il suffit de comprendre le truc. Vous tournez, vous tournez, vous attachez. Voilà, ça y est, là. C'est attaché. C'est pas parfait parce que, voilà. Voilà, il y a ma petite lancée, là. Donc, comme vous avez, pour moi, par exemple, là, je vais vous montrer. Je vais prendre celle-là. Donc, supposons que vous avez déjà le produit. Voilà, le produit, je le remontre, hein, c'est là. C'est ça. On l'ouvre, je vais le déposer. Voilà. Je prends un peu. Voilà. Je mouille. Je vais le mettre là en haut. Je vais choisir une lox qui a été déjà ouverte. Bon, voilà. Je vais prendre celle-là. Vous voyez le bout là? Je mets la crème dessus. Voilà. Je mouille. Et je tourne. Je tourne. Voilà. Je tourne. Je tourne. Voilà. Et je mets le crochet. Je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Le crochet, je le mets au milieu. Je commence. En fait, au début, je le mets là. Je le fais entrer dans le cheveu. Et j'ai pris là. Je prends le bout, je le mets dedans, dans le crochet.
J'ai un peu du mal parce qu'il y a les caméras. Je tourne bien. Je prends bien les cheveux autour. Il faut bien prendre les cheveux autour. Faut pas les mélanger. Et ensuite, on met le crochet dedans. On met le cheveu au bout. Et ça sort de l'autre côté. Et voilà. Et là je tire. Voilà. Ça s'attache. Et donc comme j'ai fait de ce côté, je fais de ce côté aussi. Faut que ça fasse une croix en fait. Chaque fois il faut prendre les deux côtés. Voilà. Je vais faire aussi de ce côté. Chaque fois, donc voilà, c'est fait. Là c'est attaché déjà. Chaque fois, il faut prendre de ce côté, de ce côté, de ce côté. Il faut que ça fasse une croix comme ça. On verra que vos cheveux s'attacheront. Donc, je récapitule. Il faut un crochet. Que vous ayez des cheveux longs ou des cheveux courts, vous pouvez commencer directement avec le crochet. Donc, vous choisissez un cheveu dans le tas, ou bien vous prenez un tas comme ça. Si vous n'avez pas de locks, par exemple, vous prenez un tas comme ça, vous le tournez comme ça. Vous le tournez bien comme ça. Vous prenez votre crochet, vous le mettez d'abord dans ce sens. Ensuite, dans ce sens, vous tirez dans ce sens, que ça fasse une croix, comme ça, et vous tirez. Vous tenez le bout. Quand le bout est vraiment dur, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de place, le crochet ne peut plus rentrer. Ça veut dire que c'est bon. Sinon, il faut faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace là. Et quand il n'y a plus d'espace, c'est que c'est bon. Voilà. Donc vous savez, vous allez faire avec 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'il ait sur toute la tête. Et si vous n'avez pas de crochet, au pire, bon voilà. Et moi j'ai fait avec un cure-dent. Le cure-dent, le voilà. Prenez un cure-dent. La gilette. Hein. Je vous montre. On coupe là. Ah non, on coupe là. Tac. Et là, tac, et hop, c'est bon. C'est censé être les bains là. Hein? Voilà, et là c'est bon. Voilà, avec un peu d'imagination, on y arrive. Donc ça est là. Vous voyez, ça me fait un crochet. Donc je prends comme ça. Avec le crochet, c'est pareil. Hein? Vous avez un cure-dent, vous utilisez le cure-dent. Faites tac, 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 tac. Ça sort. Faites entrer, faites sortir. Et vous y arriverez avec ça. Au fur et à mesure que vous faites, vous habituez ou vous maîtrisez la chose et c'est facile. Vous en aurez sur toute la tête. Donc voilà. Moi avec ça, j'ai réussi à attacher tout ça. Et tout seul. Voilà. Donc, c'est pareil. Donc voilà. J'espère que vous réussirez. Et s'il y a des complications, laissez un commentaire ou écrivez-moi. Quelque chose comme ça. Sinon, j'essaierai d'expliquer encore. Donc voilà, ciao, ciao.